Salut à toutes et à tous, c'est SkyDedixet, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, car aujourd'hui je vais tout simplement faire mes premières parties sur Black Ops 2 en live avec vous. Donc je viens juste d'acheter le jeu, je l'avais pas réservé ou rien d'autre. En fait je viens juste de l'acheter, donc à peu près deux jours en retard on va dire de la sortie. Et là je viens juste de le lancer et je sens qu'on va se régaler. Du coup on va tout de suite filer en multijoueur par contre. Parce que la campagne, j'ai essayé sur un pote et franchement, je trouve qu'elle est complètement pourrie. Enfin, moi, c'est mon avis. Donc, luminosité, c'est parti. Franchement, là, je vous le dis, je touche à peine. Après, je suis passé voilà, chez un pote l'après-midi. On a joué à la campagne et j'ai fait quelques parties multi, mais c'était vraiment rapide. Et c'était même pas sur Xbox. Enfin, vous allez me dire, c'est pas une grosse différence, mais bon. Un petit peu. Alors, on va la mettre comme ça. Volume voix, on va tout faire. J'aime déjà kiff. La musique, franchement, la musique du début, je kiffe. Malentendant, non. Config prévenu, mix désiré, boost les basses fréquences. Boost les hautes fréquences. Sur ce haut-parleur, vraiment très fort. Booste le son sur tous les types d'écouteurs, casque. Bah, je sais pas moi. Ah ouais, parfait. Oh, ça pète. Oh là là, je sens que les gars, on va se régaler, on va pouvoir se claquer des grosses vidéos sur. Allez, multijoueur tout de suite. Putain, qu'est-ce que je suis impatient d'y jouer. Vous pouvez pas imaginer, les gens. Parce que Modern Warfare 3, j'en avais un peu marre. Excusez-moi, je suis en train de manger. Mais. Bon, c'est pas grave. Bref, excusez-moi. En fait normalement je devrais manger là et après je devrais faire la vidéo. Mais bon, je suis tellement pressé, en fait je suis rentré. Bim, direct j'ai mis et... Je mangerai après, c'est pas grave. Bienvenue petit joueur, Black Ops 2 ça reste, on s'en fout. Je faisais Call of Duty, camouflage d'un cam de visite emblème. Ça j'ai un peu de kill là. Mais bon, c'est pour un camouflage, je vais pas pleurer. Non, genre, il est pas niveau 1. Ah non, il est niveau 17. Ouais, ok. Vive les geeks. Putain. En plus ça fait déjà des emblèmes de cul quoi. Sérieux. Bon allez, partie publique, je pense qu'on va se faire deux parties. Alors déjà moi je vais tout de suite faire une partie de points stratégiques parce que je veux tester. Ouais, points stratégiques, j'ai vraiment envie de tester là. Hardpoint, ça. Je trouve que c'est un mode de jeu qui va sûrement faire XP et. Du coup j'ai envie de tester. Bon, alors. Je joue un petit peu. Et franchement, pour l'instant, c'est pas mal. Mais bon. Alors, la meilleure classe. Je vais un peu baisser le son. On va prendre l'agent. Ok, tout de suite. Sensibilité, bim bim bim, 10 moi. Parce que je sais que ça va jusqu'à 14, mais du coup, moi je règle à 10. Tactique. Et de couleur avec. Ça paraît bête, mais non, je ne suis pas daltonien, je sais pas quoi. Ok, ça commence. Let's go. Come on, allez, bébé. Oh, je suis chaud là, les gens. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai envie de jouer. Point stratégique verrouillé. Qui vient, mon con? On approche. Point stratégique menacé. Point stratégique identifié. Attention, foudroiement ennemi. Go, allez, on y va. Bon, je parle pas trop là, excusez-moi, mais bon, pour l'instant, on va dire niveau jouabilité, c'est pas pareil que le 3, ils ont modifié certaines choses. Ok, point stratégique capturé, on a un drone. Drone en attente d'ordre. Non, non, non. Drone en approche. Ah, là je pense que sur le 3 par exemple, je serais mort. Ok, good. GG. Good game. Qui entre, non c'est bon. Bon, pour l'instant déjà ce mode là je commence déjà à accrocher moi. Bim les gars, oh mais c'est que je suis chaud là. Wow, foudroiement, c'est quoi ce bordel? Dragon Fire. Ah ouais, c'est le truc vol là. Envoie la chose, envoie la sauce mon pote. Comment on fait pour lancer? Pour monter. Herbe. Ah ça va être bon ça en hardpoint les gens. Par contre pareil c'est vraiment easy à péter hein. Ok. 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 Ok, me suis fait défonce. Let's go, allez, vas-y, pète-moi tout ça. On va lancer foudroiement sur. On va faire du shot hein. On va voir ce que ça a donné cette merde. Bim, double, ça va, easy, 3, bah même, bah c'est bueno. Et bah franchement je commence bien, je fais du 12-1 les gens, en live, pour un premier partie sur Black Ops 2. Oh mais c'est que c'est pas bon ça. Oh j'adhère moi.
stratégique identifiée. Ah dommage, ah, GG mec. Bien joué, franchement, je m'attendais pas. Je savais pas que t'allais me suivre. J'aurais cru que t'allais contourner le combat, mais non, tu y allais. Mais t'as bien fait parce que tu m'as tué. Bon allez. Point stratégique. Je suis tout excité là, ça me finit. Attention, route de chasse ennemie en approche. Ah, franchement, vous avez beaucoup, beaucoup de balles. Hein. Y'a rien à dire. 23h. Alors ça, je sens que ça... Ah non, c'est un cookie. Putain, je veux que c'était le truc. Ça s'appelle aéronef furtif. Ah dommage, GG, MP7. Non, franchement, elle est pas cheatée sur Black Ops 2. Moi je trouve pas. Enfin, après c'est la première arme, du coup il y a tout le monde qui joue avec, mais en aucun cas je trouve qu'elle est cheatée. Je trouve que ça franchement. Ok good, ça passe. Ok ça passe. Assistance, c'est pas grave. Ok lui il avait camouflage côté hit hein, par exemple. Point stratégique identifié. Merde, j'ai rien vu. Attention, non, non. Ah oh putain, non, je suis descendu. Oh, j'ai pas pris exprès. Attention, drone de chasse ennemi en approche. Oh ouais, good. Attention, chrono. Oh putain, les gars, ce jeu. Oh là là, du 18-4, là, franchement, c'est magnifique. M'Tar, ça, c'est le M'Tar. Je connais déjà les armes. Franchement, j'ai passé l'après-midi chez mon pote. Ça, c'est Missy Predator un peu cheaté, là. Enfin, un peu sur. Enfin, ouais, non, pas cheaté, hein, mais abusé, on va dire. Qui lance 5 missiles, je sais pas quoi en même temps là. Attention, colis stratégique ennemi en approche. Ouh, ok, ça, ok, il y a encore des lags, ça va pas le faire. On a gagné 187 à 157. Bon, on va partir en. Oh, j'ai pris 4 niveaux, les gars. Oh my god, nice. Shit. Oh, c'est bon ça. Ah bah, la MP7, hein. Sur King of Final, j'ai envie de dire qu'elle bouge toujours pas assez. Ah mais non, il a sûrement une poignée le coquinou. Lui c'est déjà un prestige hein. Vous voyez cet emblème, c'est, ça veut dire qu'il est prestige 1 ou 2 déjà. Vous voyez que les mecs sur Black Ops 2, franchement ils sont partis pleine allure. Niveau 4, caporal, jeton de déblocage obtenu 4, c'est magnifique, c'est mucho bueno. On leur fait leur fête. Alors, déjà je commence, j'ai envie de vous dire que j'ai un bon ratio. Ça va me faire un petit ratio de 4,25 pour commencer. Non, 4,50 même. C'est plutôt pas mal. Attendez, on va quitter, on va aller en MME pour que ça fasse plus court. Parce que je vais pas chercher à faire une vidéo trop longue. Surtout que je suis déjà presque à 8 minutes. Ouais, on va faire une petite vidéo, 15 minutes. Let's go, MP7. Moi, me pose pas de questions. Alors, comment ça marche? D'accord, c'est bizarre, mais ça marche comme ça. MP7, hop. Bon, y'a rien, ça, on va pas le faire. Non. Hop, pistolet. Pff, on va mettre le 5-7, hein. Ça, soif d'atout 1. Ah bah ouais, on va le mettre. Ça, c'est cher bien, ça. Ça permet d'avoir deux atouts. Sauf que voilà, faut que je repaye. Ah bah vive les bouffons. Les sensations de visée, on s'en fout. Dextérité, conditions extrêmes. Débloqué, équipé. Moi j'ai débloqué déjà plein de trucs alors que ça sert complètement à rien du tout. J'ai fait une classe vraiment très rapidos. Je pense que je vais reprendre la classe agent d'ailleurs. Excusez-moi, je mange un bout. Petite pomme de terre sautée avec un peu de poivre. C'est vraiment mucho bueno. Alors. Deux par exemple, donc, bah, on va la tester. Hein. Au pire, après, si ça va pas, on pourra prendre elle. Je vais l'essayer la mercenaire après. Ok, même, let's go. Ah, c'est cette map où on voit le mec là, il voit à travers de ça dans la bande annonce. Moi, j'en suis encore à la bande annonce, vous vous rendez compte. On va gagner ce combat. Oh, j'ai. Non, non, ouais, campeur. Non, même pas. Un peu. On a bien vu le contrôle. Comment bitch. Il y a personne dans le jeu qui joue avec des armes avec un silencieux hein, putain. Waouh, oh my god. J'ai mis 30 balles. Qu'est-ce qui se passe là? Même W3 ça a complètement disparu là. Ok, j'ai fait un truc juste catastrophique. Là, je fais une partie nulle. Le 5-7. Ok, guys. Viseur réflexe, let's go, come on. On y va, on passe. Chut, on tourne à droite. Je connais déjà la map par cœur. Je ne sais pas comment. Ok, toi t'es mort. Oh, ce qui m'a mis. Ah là. Ouais, respect. Ouais. Je m'abaisse. Non, sérieux.
Oh bim. Oh ça c'était beau ça. Drone en approche. Mouais, mouais, mouais. J'ai envie de vous dire, hein. On a pris le contrôle. Alors, un truc qui est magnifique, c'est que les couteaux, c'est complètement parti, à ce qui paraît. Bim, drop shot. Non, non, non. Ah, oh, GG. Ah, il m'a mis un flingue. Il m'a flingué. Il m'a flingué. Ah ouais, là, le mec, il a planté son plus ultimate. En fait, toutes les bandes annonces, ils ont tout fait sur ce map, en fait. Même Monsieur V12 a fait une vidéo sur ce map. Eh oui. Ah, il aime bien ce map. On dirait qu'il va passer souvent. Je suis premier, même si je fais du 8-7. GG. Allez, on va tenter déjà les... Foudroiement assez, on approche. Vous savez quoi, on va prendre la classe mercenaire parce que M27 je vais la tester. Ok, ok, le recul. Ouais, je vois pas vraiment où est-ce qu'il a bougé. Certes j'ai mis des coups par coup mais Ah franchement 10 les gars, sensibilité c'est parfait. Faut mettre à 14 pour moi 4. Ah ah ah. Ah j'ai envie de voir les cuts la gueule qu'ils ont. Putain je l'ai même pas vu. Quoi? Ils ont pas abusé les couteaux? Il m'a mis un truc. Colis stratégique ennemi en approche. Ok, GG, je me suis fait défonce. Comme tu dis. On a pris l'avantage. Oh putain. Franchement, niveau visée, je trouve que elle est grave, mais vraiment, ouais, vraiment plus faible, enfin, vraiment plus lente que sur MW3. Hein. Waouh, le truc. On va gagner ce combat. Et c'est fait défoncer. Ok, bon, on va arrêter de camper. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est quoi cette merde? On a plus l'avantage. Ça a l'air d'être un peu grassouillé comme arme. Ok, ça a l'air d'être un peu grassouillé, mais un peu. Bon ennemi, on approche. Bueno aussi. Oh, 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 oh. Drone, allez, let's go. Hop là, bim, j'aime trop comment il fait là. Ah, ouais. Ah non, franchement, je trouve que maintenant qu'il y a des scores strict, je m'attendais à ce que ce soit plus simple d'avoir des séries de victimes, et franchement, c'est plus compliqué. Je trouve qu'il y a plus, je sais pas, peut-être que les drones ils ont mis genre 400 points, mais pour moi, c'est pas 300. Je trouve qu'ils sont plus, beaucoup plus durs à débloquer que quand c'est des points. Ça a pas marché, hein. Les assistantes, elles ont l'air d'être un peu plus réglo sur Black Ops parce que quand tu mets un peu de balles, ils te mettent 25, quand tu en mets moyen, c'est dans 50 du coup. C'est... Mais pourquoi je. Double meurtre. Ah, ça, c'est quand on fait une feed, un truc comme ça, les feeds elles s'affichent maintenant, je sais pas quoi. Drone en attente encore. Oh putain, c'est cher bien ça. C'est chargé électrique. Il paraît c'est de la bombe atomique. Oh, ça marchait en plus. Sans guillemets. Ah, c'est un système d'emblème là qui s'active en haut. Dédicace à Nathan parce qu'après on va se faire une soirée de fou sur Black Ops. J'y pensais. Sur Black Ops 2. Ok, go. Float. On peut modifier aussi le système de. De qui j'ai envie de. Non. On a pris le contrôle. Oh, ça va faire mal, les gars.
Bim, triple. Pff, allez hop là, Dragonfire. Comment ça? MQ-27 Dragonfire déployé. Bon, tu avais pas beaucoup de points. Hein. Quand on tue des mecs avec les séries de victimes, plus 25 seulement. Ah, c'est super bien ce truc. Oh, c'est magique ce machin. Ah, franchement, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'on va pas aller plus loin. 15 minutes de vidéo, je pense que c'est vraiment plutôt pas mal, on va dire. Une petite émulation sur mon Dragonfire, c'était magnifique. J'ai pris 6 niveaux en 2 parties. C'était mucho bueno. On sait sur ma belle petite finale. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous. Bye tout le monde. Et profitez bien de ce nouveau Black Ops 2. Ciao.